pasteur Meunier a un témoignage. Pasteur Meunier a un testimony. Donc avant d'écouter les témoignages, so before listening to testimonies, écoutons d'abord celui du pasteur Meunier. Let us first of all listen to Pastor Meunier's testimony. A round of applause. Offrande d'acclamation. A round of applause. Ok, j'appelle mon... Vous voyez, il y a des témoignages qu'on appelle. You know, there are testimonies that we just call for. Témoignages, on les rend. Some testimonies, we render them. J'appelle mon témoignage. I call forth my testimony. Sœur Ruth. Sister Ruth. Viens que je rende témoignage. Please come so that I can testify. Bon. Dis-nous clairement qui tu es. Vous, tu as vu, non? And you tell us clearly who you are. Je ne veux pas t'aider. I will not help you. Acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. It's because that praise the Lord is for yourself. C'est parce que cette gloire à Dieu là est pour toi. That praise the Lord is for the King of Glory. C'est cette gloire à Dieu pour le roi de gloire. The Alpha and the Omega. L'Alpha et l'Oméga. The one who made the heavens and the earth. Qui a fait la terre. The one who opens the blind eyes to see. Celui qui ouvre les yeux. And you must be standing up. Donc tu dois te lever. You must be standing. Tu dois crier. Christ. Hallelujah. Hallelujah. It's an unusual. You can be seated, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. It's a great privilege. C'est un grand privilège to be standing here today. Pour me tenir ici aujourd'hui. I don't have words. Je n'ai pas de mots. My eyes have seen. Mes yeux ont vu. My ears have heard. Entendu. My mouth will talk about. Ma bouche va parler. Of God, my eyes have seen it. Oh God, my ears have heard. Mes oreilles ont entendu. My mouth will talk about. Mes lèvres vont parler. The goodness of God. I say my eyes have seen it. Mes oreilles ont entendu. And my ears have heard. Mes oreilles ont entendu. I say my eyes have seen it. Je dis mes yeux ont vu. Oh God, my ears have heard. Mes oreilles ont entendu. And my mouth will talk about. Et ma bouche va parler. The goodness of God. La bonté de l'Éternel. My eyes have seen it. Mes yeux ont vu. And my ears are hearing. Et mes oreilles entendent. And now my mouth. Et maintenant ma bouche. Will talk about the goodness of God. Va parler des bontés de l'Éternel. I like us to stand up. J'aimerais que nous nous tenions debout. And give God a standing ovation. Et donnons à Dieu une offrande d'acclamation. And a clap offering. Une offrande d'acclamation. No, wait. You don't know what you're clapping for. Vous ne connaissez pas pourquoi vous acclamez d'abord. Wait. Attendez. We're going to clap. Nous allons for God. Acclamer. Pour Dieu, for the meuniers, pour les meuniers, for their faith, pour leur foi, in God, en Dieu, their faith, leur foi, in brother Zach, en le frère Zach, their faith, leur foi, in this vision, dans cette vision. Now that you know why we are going to clap for God, maintenant vous savez pourquoi vous allez acclamer. I want you to clap with all your strength. Je veux que vous acclamez avec tout vos forces. Let's go!
Ruth Donald. Je m'appelle Ruth Donald. I am the first daughter. Je suis la fille aînée. The beginning of the strength. Le début de la force. Of Brother Zach. Du frère Zach. I am also. Je suis également. Your missionary number two to the UK. Votre missionnaire numéro 2 en Grande-Bretagne. My husband and I. Offrande d'acclamation avec des cris de joie, des cris de victoire et des témoins. Il faut la gloire de Dieu. My husband voilà and I. Voilà mon témoignage, frère bien-aimé. Voilà la fille née du frère Zach. This is my testimony, la fille du frère Zach. Le test de temps pour la Zach. Et devant toi, qui a souffert. Tu peux maintenant l'acclamer. You can now give a lot of Jesus Christ. Jesus Christ. Praise the Lord. Gloire à Dieu. My coming to Côte d'Ivoire is not a mistake. Mon arrivée en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un acte d'hasard. I found myself in Ghana. Je me suis trouvé au Ghana. And my husband, Brother Philip, said. Et mon mari, le frère Philippe, a dit. He said, "You have had to go to Côte d'Ivoire for such a long time." Ça fait longtemps que tu devais partir en Côte d'Ivoire. Even when Daddy was still alive. Même quand papa était encore vivant. Now you're going to spend 8 hours at the airport. Maintenant tu vas passer 8 heures à l'aéroport. Why don't you go and greet Brother Meunier and Sister Colette? Pourquoi ne pas aller saluer le frère Meunier et la sœur Colette? I pondered about it. Et je réfléchissais. I don't like traveling. Réfléchissais à cela. I don't like traveling. Je n'aime pas voyager. I don't like going in and out of airports. Et je n'aime pas sortir et rentrer à l'aéroport. But he insisted. Mais il a insisté. We spoke to Brother Theodore. Nous avons parlé au frère Theodore. Brother Theodore said to me. Et le frère Theodore m'a dit. Go and greet the children of your father. Va saluer les enfants de ton père. These people are my brothers. Ces gens-ci sont mes frères. They are the children frère, of my father. Ce sont les enfants de mon père. We are family. Nous sommes une famille. Today we may not be able to explain why that is. Peut-être aujourd'hui on n'aura pas le temps d'expliquer pourquoi. J'ai dit cela. But I will be coming back to Côte d'Ivoire. Mais je vais revenir à Côte d'Ivoire. Because today, I came to greet. Il n'a pas bien compris, pardon. I will be coming back to Côte d'Ivoire. Donc je vais revenir à Côte d'Ivoire. Today. Aujourd'hui, I came to greet this big brother and this big sister. Je suis venu saluer ce grand frère et cette grande sœur. And to tell them, I'm sorry for having stayed so long. Que je suis désolé que j'ai duré si longtemps. I will pay my debt to Ivory Coast. Je vais payer ma dette à la Côte d'Ivoire. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I don't have much to tell you. Je n'ai pas beaucoup à vous dire. I've asked the Lord, why did I come? J'ai demandé au Seigneur pourquoi je suis arrivé ici. Why am I in Ivory Coast? Pourquoi est-ce que je suis ici? What am I doing here? Qu'est-ce que je fais ici? I know. Je sais. That God never allows me to do anything by accident. Que le Seigneur ne me permet de faire rien par hasard. My life has been mapped out even before I was born. Ma vie a été tracée depuis ma naissance, avant ma naissance. When I meet people, I know that God has destined that meeting for something. Et quand je rencontre les gens, je sais que Dieu a destiné ces rencontres pour quelque chose. And if you are sitting here today and you think that you are an accident, I want to say to you, you are not an accident. Et si tu es assis ici aujourd'hui, tu penses que tu es un accident, je vais te dire que tu n'es pas un accident. The Bible says in Psalm 139 that our lives are written in a book before we were born. La Bible dit dans le Psaume 139 que nos vies sont écrites dans un livre même avant notre naissance. Things may not be happening the way you want, but I want you to know that your life has been programmed by God. Peut-être les choses ne sont pas en train de se passer comme tu veux, mais je vais te dire que ta vie a été programmée par Dieu. So since you are here, donc puisque tu es ici, I know. Je sais that God programmed that you should be here this afternoon. Que Dieu a programmé que tu sois ici cet après-midi. And that you are not a mistake that is about to happen. Et que tu n'es pas
qui est en train de se passer. May you receive comfort in knowing that God has ordained your steps to this place. Reçois le réconfort pour savoir que Dieu a ordonné tes pas jusqu'à ce lieu. I will say three things. Je vais dire trois choses. And I will be seated. Et je vais m'asseoir. The first thing I will say. La première des choses. It's a song I will sing for Pastor Meunier. C'est une chanson que je vais chanter pour le pasteur Meunier. He's a shepherd by excellence. Il est un berger par excellence. So I will sing to him a song about a shepherd. Donc je vais lui chanter un cantique concernant un berger. Plus je regarde ma vie, plus je me dis Dieu m'a guidé. Je me souviens, je travaillais lorsque tout a commencé. Tout le monde m'avait oublié comme j'étais le petit dernier. Mais Dieu m'a pris en pleine vie dans mon métier de berger. Dans mon métier, vous savez, on ne pouvait pas s'installer. Je crois bien que c'est pour ça que Dieu aime bien les bergers. Pour guider, rassembler, il faut des gens disponibles. D'Abraham jusqu'aux apôtres, relisez un peu la Bible. Dieu, il écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Je me sentais vraiment pauvre type quand j'ai écrit ce refrain. Seigneur, je reconnais que c'est toi que j'ai offensé. Pardonne-moi ce que j'ai fait contre toi seul. J'ai péché. Maintenant, purifie-moi, ne t'éloigne pas de moi. Je chanterai toute ma vie que le bonheur n'est qu'en toi. J'ai vu plusieurs fils mourir, même certains m'ont trahi. J'ai connu la récession, l'échec et la déception, la maladie
la vieillesse avec certaines humiliations. Ainsi un jour, je me suis couchée pour m'endormir dans la paix. Mais si je vous ai dit tout ça, ce n'est pas pour me raconter. C'est voyez-vous quand toute vie, même la plus mouvementée, il faut se laisser guider par la main du grand berger. Des soucis, je dirais encore, j'ai vu plusieurs fils mourir, mais un certain m'ont trahi. J'ai connu la vexation, l'échec et la déception, la maladie, la vieillesse avec certaines humiliations. Et si un jour je me suis couché pour m'endormir dans la paix, mais si je te dis tout ça, c'est pas pour me raconter. C'est voyez-vous quand toute vie, même la plus mouvementée, on va se laisser guider par la main du grand berger. Notre Dieu est notre Père. L'Éternel, notre Dieu, tu es le Dieu des armées. Et tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu es assis sur ton trône et les hommes, les agitations ne changent pas ta position parce que tu es Dieu. Et dans la vie du pasteur Meunier, tu es Dieu. Toi seul es Dieu, toi seul es Dieu, toi seul es Dieu, le grand berger. Pendant que nous entrons dans une autre phase de notre œuvre à la Côte d'Ivoire, nous prions que, d'une manière nouvelle, notre père, notre frère, connaisse le Dieu, le berger. Que Dieu lui-même soit son berger. Dans les nuits sombres, fatiguées, épuisées, seules, comme David, que des chants sortent de son cœur parce qu'il t'aurait rencontré. Seigneur, tu as fait de David un grand berger. Et nous ne pourrons jamais parler des rois sans parler, Seigneur, de ce grand berger. Un homme après ton cœur. Nous prions au Dieu de Zach Fomoum qui nous attend cet après-midi. Que tu déverses ta puissance, Seigneur, et que tonton Meunier connaisse encore d'une nouvelle manière le grand berger. Une révélation inhabituelle, tangible, Seigneur, du grand berger, pour que de son ventre coulent des bergers qui remplisseront la planète Terre. Et que de cette cite, lorsque les gens mettront les pieds ici, ils sauteront avec des cœurs de berger. Oh, notre Dieu, tout ce que papa a vu sur tonton Meunier, nous sommes rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus-Christ pour dire que c'est le moment, Seigneur, c'est le moment pour qu'il soit accompli. Et que de ce ventre, de ce lieu, sortent des bergers. Pour enfants, pour familles, des bergers pour les célibataires, les bergers pour les mariés, les bergers pour les jeunes, les bergers pour les handicapés, les bergers pour ceux qui sont riches, des bergers de toutes sortes, Seigneur, des bergers et 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 des bergers. Seigneur, il a travaillé, maintenant il doit accoucher. Nous prions que toi, tu viens à son aide au-delà de la Côte d'Ivoire, dans la planète Terre, Seigneur. Il y a un cri des brebis brisées qui attend l'accouchement des bergers
des bergers, des bergers, des bergers, et 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 des bergers. Les cris des brebis brisées qui attendent le cri des bergers, des bergers, des bergers, des bergers. Oh nom de Dieu, des bergers, des bergers, des bergers, des bergers. Oh nom de paix, des bergers, des bergers, des bergers. Oh Rana Senta, Bishaya Kahonda. Bisende lambaka, biseya kusondo, haya tanda lita tanda lita tanda tanda, ashia site hete, osoyo kumbayana ha, interebo sayate, uskandele mekatunda laria terebe shayata, eseya kalabaka, oh papa. Et comme David souleva son bâton, et les brebis suivaient, Seigneur. Tu vas amener des pasteurs de tous les coins du monde qui vont apprendre à être des vrais bergers. Seigneur, merci parce que ce site n'est pas pour la Côte d'Ivoire, mais que ce site, c'est pour les 250 pays de la planète Terre. Et nous allons agrandir. Et nous allons agrandir, 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 et ça va partir loin, totalement loin. Ça, c'est tellement grand qu'on ne pourrait même pas être orgueilleux. Seigneur, tu nous amènes à une phase où nous ne parlerons plus, parce que nous serons écrasés par ton amour. Merci, parce que je viens voir le début. Parce que je viendrai voir la fin. Papa a vu des choses dans son esprit, Seigneur. Et tu m'as accordé de voir ça physiquement. Et jusque-là, Seigneur, des bâtiments et des salles, des chalets pour des présidents qui sont bergers, qui vont apprendre à être bergers. C'est que le pasteur Meunier voit et pitié. C'est que toi tu vois, Seigneur, le dépasse, ça dépasse toute cette communauté. Nous n'avons même pas d'expérience pour gérer ce que tu vas nous donner. Ni dans le passé, ni dans le présent. Ce que tu as pour nous, Seigneur, je prie juste que tu bénisses cette communauté avec des cœurs humbles. Juste des cœurs humbles et des cœurs qui ont la volonté. Merci parce que tu fais ce que tu fais. Ce que tu fais, tu le fais. Tu n'as pas besoin de permission de quelqu'un. Nous prions que tu protèges la vie de Pasteur Meunier. Cet après-midi, il a dit, un jour viendra où je sortirai. Je saluais juste les gens. Et dans mon esprit, j'ai ri. Parce qu'un jour viendra où juste sa présence va partir de cœur de berger dans le cœur des gens. Jusqu'alors, Seigneur, il a appris, il a lu, il a étudié comment être berger. Mais à partir d'aujourd'hui, Seigneur, le Saint-Esprit, d'une manière tangible, viendra dans sa chambre l'enseigner comment être berger. Parce que tout ce qu'il doit faire n'a rien à faire avec ce qui est dans les livres, Seigneur. Le bon berger est ici. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Parce que nos yeux peuvent voir ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur. Moi, je suis celle qui bénéficie le plus de tout ce qui se passe. Parce que je sais d'une nouvelle manière que le Dieu de mon Père est vivant. Et tout ce qu'il a dit à cet homme s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Merci beaucoup, papa. Secondly, deuxièmement, I'll sing a song for the people. Je vais chanter un cantique pour le peuple. It was my father's one of his favorite songs. Il était l'un des fils les plus favoris de mon papa. It was one of my father's favorite songs. Ah, c'était l'un des cantiques les plus favoris de mon père. On dit que partir, c'est mourir un peu.
Partir, c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était les idoles qu'on adorait. Sacrifier sa dans le firmament dans ton meunier. Et lorsqu'il te dit, je te donnerai des enfants autant en nombre, tu sais la voix qui te parlait au fond de ton cœur. Le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Donne un enfant, toi qui ne pouvais pas en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi tu obéis. Tu sais, ce Dieu peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir à peu. Te dis, donne-moi la vie de ton fils unique. Et alors tu en feras des missions.
missionnaires, des missionnaires qui sont bergers pour calmer la douleur et la peine de prévis. On dit que parti, c'est mourir un peu. Oui, parti, c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu. To pray, avec moi inclus, including myself, qu'une faim de Dieu, that a hunger for God, une faim ardent, a deep hunger for God, brûlant, burning qui hunger, nous consume, should consume us, de la présence de Dieu, from the presence of God, envahit chaque cœur ici, and that the presence of God should fill every heart here, et d'une manière miraculeuse, and that in a miraculous way, nous tous nous devenons des fils du frère Zach. That will become sons of Brother Zach. Par notre vie de recherche de Dieu. By our lives of seeking God. Au nom puissant de Seigneur Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. I'll say the last thing and I'll be finished. Je vais dire la dernière chose. The last thing and I'll be finished. Because I must only say what God allows me to say. Parce que je dois seulement dire ce que Dieu me demande de dire. I'll leave you with a verse. Je vais vous laisser avec un verset. John chapter 6. I'm not going to teach or exhort. Je ne vais pas enseigner ni exhorter. I just want to leave that verse with you. Mais je vais seulement vous laisser avec ce verset. Thank you. In John chapter 6, Bible en français. Something happened. À Jean chapitre 6, quelque chose s'est passé. The Bible says, la Bible dit, that the wind was blowing. Are you there? Just a minute. Let me look for Bible in French, please. John chapter 6, verse 16. Until verse 21. Jean chapitre 6, du verset 16 jusqu'au verset 21. Can you read it in French, please? Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. There is a miracle of willingness. Il y a un miracle de la volonté. That is if you are willing to do something. C'est-à-dire si tu as la bonne volonté d'accomplir quelque chose. You find yourself there. Tu vas t'y trouver. There is a miracle of willingness. Il y a un miracle de la volonté. That's if you are willing. C'est-à-dire si tu as la bonne volonté, you find yourself there. Tu vas t'y trouver. The power of being willing. La puissance d'avoir une bonne volonté. It's the power that makes Jesus do the supernatural. C'est la puissance qui amène Jésus à faire le surnaturel. If we'll be willing for everything that God has for us here in Côte d'Ivoire, which must flow to the ends of the earth. Si nous sommes si nous avons la bonne volonté de faire tout ce que Dieu veut pour nous en Côte d'Ivoire, qui va étendre aux extrémités de la terre, God will do what he alone can do. Dieu va faire ce que lui seul peut faire. The miracle of willingness. Le miracle de la volonté. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Les autres rapidement, passez-vous, soyez prêts.
Merci pour ces paroles qui sont libérées et qui se répandent devant ta face. Et que tu arroses, que tu implantes, que tu plantes dans les cœurs et les esprits. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si tu as cru, quand elle parlait, si ton cœur t'a dit, donne ta vie à Jésus. If your heart told you, give your life to Jesus as you were speaking. Et si tu veux le faire, lève ta main. And you want to do that right now, raise your hand. Venez, elle va prier pour vous et elle va partir. Please come for us, you pray for que you. Tout cela vienne maintenant. Let all those come in front now. Voilà tes bébés spirituels. These are your spiritual. Venez rapidement. Please come quickly. Parce que l'avion là, quand tu rates ça, ça bouleverse tout ton programme. Because if you miss the plane, your entire program is obstructed. Je ne veux pas insister. Je veux prendre ceux qui sont prêts. Comme ça, elle va partir. I'll not insist. I'll take those who are ready so that she can go. Offrande d'acclamation, les petits enfants. Non, les petits enfants seulement, pas la musique. Que les petits enfants acclament Jésus. Let the little children clap for Jesus. Merci. Donnez-lui le micro. Regardez par ici. Please look this way. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I know my time is against me. Je sais que le temps est contre moi. But there are more people to come. Mais il y a plusieurs personnes qui doivent encore venir. While I sing this song, pendant que je chante, I'd like you to come. J'aimerais que tu viennes si tu dois venir. Il faut venir. Some of you are our missionaries. Certains d'entre vous sont en fait nos missionnaires. They'll go as shepherds. Vous allez partir comme les bergers. To teach the world how to shepherd. Pour enseigner le monde comment paître les brebis. I'm going to use my phone because I don't know the words very well. Je vais me servir de mon téléphone. And I think Natasha knows the song. I think maybe the sowas know the song. La vie, quelle aventure. Elle dit que pendant qu'elle chante, tu sais ce que tu peux te lever, venir. Je suis confus. Give your life to Jesus. Et sans espoir, Seigneur. Assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens, la vie.
Quand Jésus n'est pas là, quand Jésus n'est pas là, la mort est là. When Jesus la mort est là. La mort est là. La maladie. Parce que yes, les troubles. Quand Jésus vient. When Jesus comes, everything changes. Everything changes. Everything changes. Everything changes. Dans une réunion comme celle-ci, they asked who wants to give their life to Jesus. On avait demandé qui veut donner sa vie à Jésus. And I came running. Et je suis venu en courant. Jesus is here. Jésus est ici. Waiting for you. Il t'attend. You have. I give one last chance. Je donne une dernière chance. Is there anyone else seated? Est-ce qu'il y a une autre personne qui est encore assise? Come running. Venez en courant. Because Jesus is king. Parce que Jésus est roi. Jesus is king. Jésus est roi. We beg to belong to him. Nous supplions de lui appartenir. We beg to belong to Jesus. Nous supplions d'appartenir à Jésus. We beg to belong to Nous Jesus. Supplions d'appartenir à Is Jésus. Is I the last person? Si tu es la dernière personne, come. Venez s'il vous plaît. Come. Viens. Come. Viens. Come. Viens. Where are you? Où es-tu? Come. Viens. Praise the Lord. Gloire à Dieu. We thank God for these ones. Nous bénissons le Seigneur pour ceci. We are going to pray. Nous allons prier. That as you come to Jesus. Acclamation, il arrive. Que pendant que tu Hallelujah! Viens, Hallelujah! 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 Come running! Come running! Come running! Yeah, yeah, viens, courant, 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 Hallelujah! 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 Come, come to me. The last but not the least. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et pendant que tu commences ce voyage avec lui, je prie que comme moi, un autre dernier comme cours, tu deviens missionnaire. Un autre dernier cours. Hallelujah, 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 hallelujah. Un autre dernier. On pourra dire qu'il y avait 10 derniers. N'est-ce pas? Come, children, come, come running, come running. Les enfants, venez, 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 venez en courant. When I came to Jesus, quand je suis venu à Jésus, I was 9.5 years old. J'avais 9 ans et demi. You see, Jesus loves children. Vous voyez, Jésus aime les enfants. 40 years after that, 40 ans après cela, here am I, me voici, preaching this good gospel. Prêchant ce bon évangile. You too. Toi aussi, child, enfant, you can become like me. Tu peux devenir comme moi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You are going to lift your hands to God. Tu vas soulever, élever tes mains à Dieu. You are going to lift your hands to God. Tu vas élever tes mains vers Dieu. And you are going to pray with me. Et tu vas prier avec moi. After that, après cela, Pastor Meunier will lead you in how you pray traditionally here. Le pasteur Meunier va vous conduire. Sur comment vous priez de manière traditionnelle ici, d'habitude. I want you to say, je veux que tu dises. Blessed Father. Père béni. No, say it loud as you can. Dis cela en haute voix. Blessed Father. Père béni. Father of our Lord and Savior Jesus Christ. Père de notre Seigneur Sauveur Jésus Christ. Thank you for salvation. Merci pour le salut. Thank you for Jesus Christ. Merci pour Jésus Christ. Thank you for his death on the cross. Merci pour sa mort à la croix. Thank you because he's here to save me. Merci parce qu'il est ici pour me sauver. Lord, you know my sins. Seigneur, tu connais mes péchés. All my sins are before you. Tous mes péchés sont devant toi. My sins in my thoughts. Mes péchés en pensée. In my words. En parole. In my attitude. Dans en attitude. Even in my desires. Même dans mes désirs. The things I have seen. Les choses que j'ai vues.
which were sinful. Qui étaient péchés. The things I have touched. Les choses que j'ai touchées. Which were sinful. Qui étaient péchés. The sins I have touched. Les choses que j'ai touchées. Which were sinful. Qui étaient du péché. Lord Jesus. Seigneur Jésus. All my sin. Tous mes péchés. I confess to you. Je confesse à toi. I confess. Je confesse. I have sinned. J'ai péché. Against heaven. Contre le ciel. And against God. Contre Dieu. Have mercy on me, Lord. Aie pitié de moi, Seigneur. Have mercy on me, Lord. Aie pitié de moi, Seigneur. And wash me with your blood. Et lave-moi dans ton sang. And wash me with your blood. Et lave-moi dans ton sang. And wash me with your blood. Et lave-moi dans ton sang. And wash me with your blood. Et lave-moi dans ton sang. Wash my mind. Purifie ma pensée. Wash my heart. Purifie mon cœur. Wash my emotions. Purifie mes émotions. Wash me, wash me, wash me, wash me. Purifie-moi, purifie-moi, purifie-moi. And make me clean. Et rends-moi propre. Now. Maintenant même. Here. Ici. Come into my heart. Viens dans mon cœur. As my savior. Comme mon sauveur. As my Lord. Comme mon Seigneur. And give me the power. Et donne-moi la puissance. To become a child of God. De devenir un enfant de Dieu. Write my name in the book of life. Écris mon nom dans le livre de vie. Lord Jesus. Seigneur Jésus. As you enter majestically into my heart and life. Pendant que tu entres majestiquement dans mon cœur et dans ma vie. I command every disease to leave my body. Je commande à toute maladie de quitter mon corps. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I command all demons to go in the name of Jesus. Je commande à tout démon de partir au nom de Jésus. And the power of every curse. Et la puissance de toute malédiction. To be broken. Soit brisée. Because when Jesus enters. Parce que quand Jésus entre. Darkness goes. Le ténèbre s'en va. Jesus, you have come in. Jésus, tu es entré. Let your Holy Spirit. Que ton Saint-Esprit. Begin to work in me. Commence à travailler en moi. Now. Maintenant. And for the rest of my life. Et pour le reste de ma vie. I will serve you. Je vais te servir. I will serve you. Je vais te servir. I will serve you. Je vais te servir. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We command everyone with a demon. Et nous libérons les pensées. And we lose thoughts. Et nous libérons les pensées. Emotions. Les émotions. Personalities. Les personnalités. Tones. Tones. A tone. Somebody's tones. Les tons. Les langues. Futures. L'avenir. Families. Les familles. Capacities. Les capacités. We lose them today. Nous les libérons aujourd'hui. From the chains of the enemy. Des chaînes de l'ennemi. As we call the fire of the Holy Ghost. Pendant que nous invitons le feu du Saint-Esprit. To come and consume all that which does not glorify God. Pour venir consommer tout ce qui ne glorifie pas Dieu. In the lives of those who are here. Dans la vie de ceux qui sont ici. Blessed Father. Père béni. You are the Savior of the world. Tu es le Sauveur du monde. You are the saving God. Tu es le Dieu sauveur. Here and now. Ici et maintenant. We commit these ones into your hands. Nous te confions ceci. That as your light shines. Que pendant que ta lumière luise. Darkness will leave. Que les ténèbres s'enfuient. And divine power. Et que la puissance divine. To be a child of God. Pour être des enfants de Dieu. To remain a child of God. Pour demeurer comme les enfants de Dieu. To become a disciple of the Lord Jesus. Pour devenir des disciples du Seigneur Jésus. To become a co-worker in our work. Pour devenir co-ouvrier dans notre œuvre. Be given to each one of them. Soit donné à chacun d'entre eux. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes. Nous n'avons rien à ajouter. Nous sommes les enfants d'un même père. We have nothing to add. We are children of the same father.
Lève ta main. Raise your hand. Dis, nous bénissons le décollage et nous bénissons l'atterrissage. Say, we bless the takeoff and we bless the landing. Continue à bénir son départ. Continue to bless her departure. En très peu de temps, in a very short while, elle a déversé tout. She has poured out all. Nous sommes émerveillés. We are marveled. Nous sommes bénis. We are blessed. Nous sommes édifiés. We are edified. Et nous aurons les mots pour dire à ton mari que il nous a fait du bien. We have the words to tell your husband nous a fait du bien. That he did good to us and that brother Theodore was good to us. Tu peux t'asseoir joyeusement. You can be seated joyfully. Avant de commencer la prière. Before we begin praying. Lisons dans Jean chapitre 8. Let us read from John chapter 8. Verset 24. Verse 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si tu es un invité, if you are a guest, si tu es arrivé en retard, if you came late, ces frères qui sont assis devant toi, these brethren seated in front of you, ont décidé de donner leur vie à Jésus. Have decided to give their lives to Jesus. Et on leur a demandé de passer devant pour qu'on prie pour eux. And we asked them to come in front for us to pray for them. Tu es arrivé quand on avait déjà prié pour eux. Maybe you came when we had already prayed for them. Ils sont déjà qualifiés pour intercéder ce soir. They are already qualified to intercede this evening. Ils ont enlevé la chose qui les séparait de Dieu. They have taken off what separated them from God. Cette chose s'appelle comment? What is that thing? Qui est là pour la première fois? Lève la main. Who is here for the first time? Please raise your hand. Comment on appelle cette chose qui sépare les hommes de Dieu? How do we call that which separates men from God? Le péché. Sin. Beaucoup ratent les bénédictions parce qu'ils ne traitent pas le péché comme Dieu veut qu'ils traitent le péché. Many miss out on their blessings because they don't treat sin the way God wants them to treat sin. Le péché est une lèpre, la lèpre spirituelle. Sin is leprosy. It is spiritual leprosy. Et Jésus est venu guérir les lépreux. And Jesus came to heal the lepers. Quand Jésus va revenir, when Jesus will come back, pour juger, to judge, il va te poser une question. He will ask you one question. Pourquoi n'as-tu pas abandonné le péché? Why didn't you abandon sin? Pourquoi quand je suis venu? Why, when I came? Quand j'étais appelé? When I called you? Quand je t'ai dit, mon fils, viens? When I said, my son, come. Je veux te sauver. I want to save you. Pourquoi as-tu refusé? Why did you refuse? Lis pour nous Isaïe 50. Read Isaiah 50 for us. À partir du verset 1. From verse 1. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? Pourquoi quand Dieu t'appelle, tu refuses de répondre? Why don't you answer when God calls you? C'est la question qu'il va te poser. That is the question he will ask you. Il ne va pas te demander est-ce que tu étais fort, est-ce que tu étais faible. Non, non. He will not ask whether you were strong or you were weak. No, no, no.
He dit, il est fort. He's strong. Pour délivrer. To save. Mon fils. My son. Silence. Silence. Pourquoi? Why? Parce que tu veux boire la bière. Because you want to drink beer. Quelque chose te dit, si tu réponds, il va te dire de ne pas boire la bière. Something tells you, if you answer him, he will tell you not to drink beer. Il va te dire de ne pas commettre l'adultère. He will tell you not to commit adultery. Il va te dire de rentrer chez toi. He will tell you to go back home. Parce qu'il y a des gens qui ont déménagé, s'en vont dormir chez les prostituées. Because there are people who have left from their homes and they are now living. Mon fils! My son! Silence. Silence. Pourquoi? Why? Il a peur de changer. He's afraid to change. À cause de vos iniquités. He says it's because of your iniquities. Que votre mère a fait la même chose. That your mother did the same. Ta mère a fait la même chose. Your mother did the same thing. À cause de ses adultères. Because of her adultery. Elle a fui. She fled. Et toi aussi. And you too. Tu me fuis. You are also fleeing. À cause de tes péchés. Because of your sins. Ce jour. This day. Est un jour de bénédiction. It's a day of blessing. Le bouchon que le diable a placé dans ta gorge. That hook that the devil put in your throat va sauter ce soir. Will come out this evening. Quand Dieu t'appellera. When God will call you. Quand Dieu t'appellera. When God will call you. Pouf, pouf. Tu vas dire Seigneur. You say Lord. Me voici. Here am I. Pour la première fois. For the first time. Ça c'est quelle affaire? What is this? Dieu vient. God comes. Dès que tu le vois venir, tu fuis. As soon as you see him, you run. Et il arrive, il voit tes petites traces de fuite dans le sable. And then he comes and sees your little footprints on the sand. Et tu penses qu'il ne te voit pas. And you think that he does not see you. Après, il te cherche. Afterwards, he looks for you. Mon fils, tu fuis encore. My son, you run again. Tu vas faire ça jusqu'à quand? For how long are you going to do this? Jusque dans le lac de feu. Until you get into the lake of fire. Un jour. One day. Tu seras jeté. You will be thrown. Dans les flammes. In the flames. D'abord dans ce monde. First of all, in this world, Dieu va te montrer qu'on ne le fuit pas comme ça, qu'il y a un jugement. God will show you that we don't flee from him that way, that there is judgment. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Il va bloquer les choses devant toi. He will block things before you. Il va te faire perdre les opportunités. C'est ça qu'on appelle la malédiction qui vient de Dieu lui-même. He will make you lose opportunities. That's what we call the curse that comes from God himself. Il va te faire perdre des opportunités. He will make you to lose opportunities. Ésaïe chapitre 57 du verset 14 au verset 16. On dira frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? What is God saying? C'est simple. Il dit, il habite dans les lieux élevés. It's very simple. He says, he lives in the high places. Il habite dans la sainteté. He lives in holiness. Mais, but, s'il regarde et voit sur la terre un homme qui s'humilie, if he looks on the earth and sees a man who humbles himself, un homme qui reconnaît ses fautes, a man who acknowledges his error, un homme affligé, a man who is afflicted, un homme contrit, a man who is contrite, un homme qui regrette, a man who regrets, pas le genre qui accuse les autres, not one who accuses others, mais un homme qui voit ses fautes, but a man who sees his faults, qui ne dit pas que les autres sont mauvais, moi je suis bon, and who does not say the others are bad and I am good, un homme. A man qui reconnaît ses fautes. Who acknowledges his error. Un homme. A man qui dit Seigneur pardonne-moi. Who says Lord forgive me. Un homme. A man qui dit Seigneur aie pitié de moi. Who says Lord have mercy on me. Un homme. A man qui dit je ne veux plus recommencer. Who says I'll no longer start over. Il dit. He says s'il voit un tel homme. And if he sees such. Il quitte son trône. He will leave his throne. Il vient vers cet homme. And come down to meet that pour man. Pour le relever. To lift him up.
C'est là. It is there. Que la gloire revient dans la vie d'un homme. That glory comes back into the life of a man. It restores. He restores you. Il te lave. He washes you. C'est là qu'il y a les délivrances. That is where there are deliverances. Si tu avais été envoûté, il te désenvoûte. If you are bewitched, he disbewitches you. Si les ennemis sont contre toi, il les frappe, il les disperse. If enemies are against you, he strikes them and scatters them. C'est lui-même qui descend. It is he who comes down himself. Pourquoi? Why? Parce que tu es contrit. Because you are contrite. Parce que tu pleures. Because you cry. Parce que tu regrettes. Because you regret. Parce que tu veux changer. Because you want to change. Tu ne dis pas Dieu doit m'accepter comme ça, je suis faible, je ne peux rien faire. Non. You don't say God must accept me like that, I'm weak, I cannot do anything. No. Non, tu peux changer. No, you can change. Je me souviens toujours de quelque chose qui s'était passé au Sénégal, à Dakar. I always remember something that happened in Senegal, in Dakar. Trois délinquants. Three delinquents. Drogués. Drug addicts. Des délinquants, des bandits. Drogués, trois. Delinquents, robbers. Drug addicts. There were three of them. On saisit une fille. Laid hold of a girl. Ils étaient drogués. They were drugged. Ils étaient méchants. And they were wicked. Ils ont saisi une fille. They laid hold of this girl. Pour violer. To rape her. La fille a dit, and the girl said, camarade, j'ai le sida. Oh dear friends, I have AIDS. Ils ont lâché. They left her. Drogués. Drug addicts. Brigands méchants. Robbers, wicked. Mais quand le sida s'est présenté, but when AIDS presented itself, la drogue est finie. That drug was wiped out. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Tu peux changer. You can change. Tu vas tromper les gens là, je suis faible, je suis faible. Tu peux changer. You deceive people there, I'm weak. Et you can change. Et tu dois changer. And you must change. Je suis venu. I came. Je veux te délivrer. I want to deliver you. Dieu dit, ma main est puissante. God moi. Says, my hand is mighty, it's powerful. Mais où es-tu? But where are you? Pourquoi tu me fuis? Why did you run away from me? J'appelle, tu ne réponds pas. Je viens, tu fuis. I call, you don't answer. I call, I come, and you run away. Et tu dis, Dieu m'a abandonné. And you say, God has abandoned me. Ou bien tu dis, j'aime Dieu. And you say, I love God. Tu aimes Dieu. Do you love God? Et il t'appelle, tu fuis. And he calls you and you flee. Tu aimes Dieu. You love God. Il t'appelle, tu te caches. He calls you and you hide yourself. Il ne faut pas tromper les hommes. Do not deceive men. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer de vie ce soir? Is there someone who wants to change his life this evening? Qui veut s'ajouter à ceci? Who wants to join this once? Lève ta main. Raise your hand. Lève-toi, tu vas là. Donnez-lui une chaise. Qui d'autre? Venez devant ici. Rise up and come in front. Prenez vos effets, vous venez. Take your belongings, please. Venez. Come. Dieu t'appelle, tu dois répondre. God is calling you, you must respond. Dieu t'appelle, tu dois répondre. God is calling you, you must respond. Ne te cache pas. Do not hide. Quand Dieu t'appelle. When God calls you, tu ne dois pas te cacher. You must not hide. Tu ne dois pas te cacher. You must not hide. Tu ne dois pas te cacher. You must not hide. Lève-toi. Rise up. Et viens. And come. Il dit, j'ai appelé. He said, I called. Tu n'as pas répondu. But you did not answer. J'ai appelé. I called. Tu n'as pas répondu. But you did not answer. Je suis venu. I came. Tu m'as fui. And you ran. I called. Tu n'as pas répondu. You did not answer. Je suis venu. I came. Tu m'as fui. And you fled. Pourquoi? Why? Pourquoi, mon fils? Why? Pourquoi? Viens. Come. Viens. Come. J'ai appelé. I called. Tu entres sous le lit. And you walk on like that. Tu entres sous le lit. I called and tu te caches. You hide yourself. Je t'ai vu. And I saw you. Viens. Come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Il dit, je peux te délivrer. He says, I can't deliver je you. Je peux changer ton cœur. I can change your heart. Je peux briser les chaînes. I can break the chains. Je peux briser tes chaînes. I can break your chains. Je peux te relever. I can raise you. Je peux changer ta condition. I can change your condition. Mais je t'appelle. But I call you. Mais tu me fuis. But you're running away tu from me. Tu te caches. You're hiding yourself. C'est là ton malheur. That is your misfortune.
Tu es ton propre fossoyeur. You are the one who has dug your own pit. Le trou dans lequel tu es tombé, c'est toi-même qui l'a creusé. The pit into which you fell, you are the digger. Lève-toi. Rise up. Sors de là. And come out from there. Et donne ta vie à Jésus. And give your life to Jesus. Cesse de tromper les gens. Stop deceiving people. Tu n'as jamais cru. You've never believed. Tu es mauvais. You are wicked. Ton cœur est noir. Your heart is. Sors de là. Come out from there. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Tu trompes les gens. Deceive je people. Suis musulman. I'm a Muslim. Je suis catholique. I'm a Catholic. Tu n'es rien. Tu es fils de Dieu. You are fled from God. Tu as besoin de repentance. You need repentance. Laisse-toi viens donner la vie. Rise up, come and give your life to Jesus. Sois vrai, vrai. Be true, be true. Pour la première fois. For the first time. Viens, sois vrai, come, be true. Pour la première fois. For the first time. Viens. Come. Sois vrai avec be toi. Be true to yourself. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur une chaise là? Is there someone still on any of those chairs? Si vous voyez quelqu'un sous une chaise, tirez-le. If you see someone under a chair, pull him out. Il veut se cacher même ici. Even here, he still wants to hide. J'ai utilisé ton nom, tu me pardonnes? J'ai utilisé ton nom comme exemple. Je n'ai pas fâché. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Qui va vérifier ça? Pasteur Tiade, va vérifier. Tu m'apportes la nouvelle. Je ne peux pas utiliser son nom comme ça et puis. I cannot just use his name like that. Va avec lui. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. A clap offering to Jesus Christ. Dis Jésus, tu es fort, tu es bon. Say Jesus, you are strong, you are good. Tu peux sauver, tu peux délivrer. You can save, you can deliver. Oui, vas-y, va, ne crains rien. Va. Let's go, fear nothing. Qui d'autre? Who else? Qui d'autre? Who else? Viens. Come. Qui d'autre? Who else? Pourquoi tu te caches? Why are you hiding yourself? Pourquoi? Jésus t'a vu. Why? Jesus has seen you. Viens. Come. Offrande d'acclamation. Clap offering. Jésus t'aime beaucoup. Jesus loves you so much. Yeah, amen. Vas-y, ne crains rien. Go, fear nothing. Qui d'autre? Who else? Oui, venez. Yes, come. Dieu, oh Dieu, tu es bon. Say, oh God, you are good. On fuit, on se cache, mais il nous cherche. We run from him and we hide ourselves, but he still disons, looks for Seigneur, us. Disons, Seigneur, tu es bon. Say, yes, Lord, you are good. Et dis, tu ne te fatigues pas. So you don't get tired. Qui d'autre? Who else? On va arrêter. We are going to stop. Levez vos mains. Raise your hands, please. Dites Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Parlez, criez comme je fais. Shout out as I'm doing. Faut que ça sorte. So that it should come out. Seigneur Jésus. Lord Jesus. J'ai entendu ta parole. I heard your word. J'ai décidé. And I've decided. De répondre à ton appel. To answer to your call. Personne ne m'y oblige. Personne. Nobody's obliging me. No one. Je suis venu. I came consciemment me donner à toi. To consciously give myself to you.
pour que tu me pardonnes. So that you should forgive me. Parce que je suis sale. Because I'm dirty. J'ai pratiqué la fausseté. I practiced falsehood. J'ai fait comme si j'aimais Dieu. I behaved as though I loved God. Mais je me cachais. But I was hiding myself. Je me cachais. I was hiding myself. Pardonne-moi. Forgive me. Je ne veux plus recommencer. I will no longer do it again. Pardonne ce que j'ai commis par mes actes. Forgive that which I've done in action. Par mes pensées. In my thoughts. Aie pitié de moi. Have mercy on me. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci pour ton sang que tu as versé pour moi. Thank you for your blood that you shed for me. Dis Seigneur. Say Lord. Je suis d'accord. I agree. Avec ton serviteur. With your servant. Et avec tous les frères. And with all the brethren. Pour qu'on me sépare de la sorcellerie. To be separated from witchcraft. La sorcellerie de la famille de mon père. The witchcraft of my father's family. La sorcellerie de la famille de ma mère. The witchcraft of my mother's family. La sorcellerie de la belle famille. The witchcraft of my in-laws. Je suis d'accord. I agree. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare de l'idolâtrie. To be separated from idolatry. L'idolâtrie qui est dans la famille. The idolatry in the families. Et la malédiction et l'idolâtrie. Curses and idolatry. Maintenant. Now, levons nos mains et prions pour eux. Let's raise our hands and pray for them. Ces paroles de malédiction, de l'idolâtrie, de la sorcellerie. Let us separate them from the curses of idolatry. Tenez-vous debout. On va faire la même prière pour vous. Please stand and we are going to. Parce que dans la première prière, tout le monde n'a pas prié pour vous. We are going to raise the same prayer for you. On levait les mains. The first time we did not pray for everybody. Prions pour eux. Let's pray for them. Nous vous séparons de la malédiction. We separate you from curse. Nous séparons de l'idolâtrie. We separate you from idolâtrie. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tous les démons. Let all demons. Qui vous suivaient. That followed you. À cause des idolâtries. Because of the idolatry. De vos ancêtres. Of your ancestors. Et à cause des malédictions prononcées sur vous. And because of the curses pronounced on ou you. Ou sur vos parents. On your family. Nous les brisons. We break them. Nous les détruisons. And we destroy them. Nous frayons les chemins devant vous. And we pave the way before you. Nous prions que ceux qui sont malades soient guéris. And we pray that all those who are sick be healed. Ils sont visités par la puissance divine. They be visited by a divine power. Que ceux qui sont enchaînés soient libérés. Let those who are bound by chains be set free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap offering to Jesus Christ. Jésus a vaincu le diable. Jesus has overcome the devil. Jésus a vaincu Satan. Jesus has overcome Satan. Merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Donnez-leur des chaises. Give them chairs please. Rapidement. Quickly. Lisons dans Jérémie. Let us read from the book of Jeremiah. Chapitre 3. Chapter 3. Du verset 13 au verset 25. From verse 13 to verse 25. Vas-y. Lisons dans Jérémie. Let us read from the book of Jeremiah. Jérémie chapitre 3, 13 à 25. Jeremiah chapter 3, 13 to 25. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon père et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant,
Ainsi, vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix s'est faite entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël. Car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Relis ce passage. Read that passage. Écoutez ce que les idoles ont dévoré. Listen to what idols have eaten up. Verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Verset 25. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Amen. Frères bien-aimés, ne combattons pas comme les aveugles. Dear brethren, let's not fight like blind men. Les hommes se retrouvent dans tous ces problèmes. Pourquoi? Why do men find themselves in all of these problems? Ils ont abandonné le vrai Dieu. They've abandoned the true God. Pour aller servir les idoles. To serve idols. Pour aller suivre le mensonge. To follow lies. Quand tu introduis un esprit dans la famille. When you bring a spirit into the family. Quand tu t'en vas consulter un marabout. When you go and consult a witch doctor. Un féticheur. A fetish priest. Quand on t'amène pour t'initier à une danse. When you are taken to be initiated into a dance. Ou à un rite. Or to a rite. À une tradition. Or a tradition. À une coutume. Or a custom. Quand tu acceptes. When you accept it. De te déplacer pour aller vers l'ennemi. To go towards the enemy. Ce sont des grandes pertes au niveau spirituel. These are great losses at a spiritual level. Toutes les richesses existent d'abord spirituellement. All riches, first of all, exist spiritually. Toutes les richesses avec leurs signes et leurs symboles dans l'invisible et leur réalité spirituelle. All items with their representations, first of all, exist spiritually. Quand tu entres chez un marabout, when you get into the place of a native doctor, Satan récupère ce que Dieu t'a donné. Satan takes what God has given you. Tu es dépouillé. And you are stripped off. Et parfois le diable va plus loin. And sometimes the devil goes further. Il dit donne-moi ton père. He tells you give me your father. Tu donnes. You give him. Et ton, l'esprit de ton père peut aller travailler pour quelqu'un dans l'esclavage, dans le monde invisible. And your father's spirit can go and work in slavery in the invisible world somewhere. Et un jour. And one day. Toi-même tu meurs. You die. Tu t'en vas servir aussi. You also go and serve. Le diable. The devil. Vole. Steals. Il te donne moi ton enfant. He tells you, give me your child. Sacrifie ta fille. Sacrifice your daughter. Donc, ce que la parole dit est vrai. Les idoles ont dévoré les enfants. So what the word of God says is true. Ils ont dévoré les filles, les fils et les filles que Dieu nous a donné. Her sons and daughters that God gave to us. Certains ne tuent même pas. Some don't even kill. On prend ton intelligence. They just take your knowledge. Tu deviens comme quelqu'un qui n'a pas le cerveau. And you become like someone who doesn't have a brain.
Tu veux parler, tu dis je. You want to speak, you say I. Qu'est-ce qui arrive? And they ask you, but what is happening? On a tout pris. Everything has been taken. On te laisse quelqu'un qui ne peut rien faire. And then you're left with someone who can do nothing. Il va à l'école. He goes to school. Une classe, 3 ans. He spends 3 years in one class. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les idoles ont tout pris. Idols have taken everything. Ils prennent l'intelligence. Il y a des familles où il y a la polygamie. Une femme peut voler l'intelligence si elle est sorcière. Elle vole l'intelligence de sa rivale, elle donne à ses enfants. Ses enfants ne sont que premiers. There are polygamous families. La rivale deviennent des petits voleurs craintifs. Tu l'appelles et dis, tu trembles partout. There are polygamous families where one wife can take the intelligence of the children of the other wife and give to her own children, and they become very intelligent. They are first. The other ones become very dull, and when you speak to them, they are very fearful. Il a l'école, il joue avec les amis, c'est comme ça. And then when he's in school, he plays with friends, he behaves like this. Ils ont tout pris. They have taken all. Le diable est méchant. The devil is wicked. Mais Jésus est venu. Jesus came. Pour donner le pouvoir à l'église. To give power to the church. Il dit, je vous ai donné mon pouvoir. He said, I've given you my power. Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. To walk on snakes and scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And upon all the powers of the enemy. Rien ne pourra vous nuire. And nothing will be able to harm you. Je vous ai raconté une histoire. Peut-être certains ont oublié ou bien tu n'étais pas là. I told you a story. Maybe some have forgotten or you were not here. Une sœur était malade. A sister was sick. Nous avons prié pour elle, rien. And we prayed for her, nothing. Pendant 29 jours. For 29 days. Elle est partie dans une autre localité. And she went to another locality. Là-bas, il y a eu une prophétie. There, there was a prophecy. Dans notre ministère, toujours. Still in our ministry. Et on a prié et elle fut guérie. And she was prayed for and she was healed. Quelle est la différence? What was the difference? Ceux-là ont agi par discernement et par révélation. The ones who prayed for her and she was healed acted by discernment and revelation. Ils ont vaincu la maladie. And they overcame the sickness. Nous, on faisait des petites supplications. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. And we were carrying our little supplications. Oh Lord, have mercy on us. Have mercy on us. Un jour, Dieu m'a dit. One day God told me. Utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. Utilisez ma puissance. Use my power. C'était la différence. That was the difference. Tu vas utiliser la puissance de Jésus ce soir. You are going to use Jesus' power this evening. Alléluia. Alléluia. Vous voyez le résultat. Do you see the results? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Frère, ne vous amusez pas. Brethren, don't joke. Il y a des gens qu'on a envoûtés. There are people who have been bewitched. Les témoignages de ce soir sont édifiants. The testimonies of comme tous les autres d'ailleurs. Of this evening are very edifying, just like the others. Il s'est dit que le sorcier connaît le fiancé, son fiancé. The sister said that even the witches and wizards know their fiancé, her fiancé. Il va passer. They will pass by. Quand il est arrivé, dit le voilà. Et c'est en réalité son fiancé. And when he arrived, the witch said, this, there he is. And truly that was her fiancé. Mais le mariage était déjà envoûté. But the marriage was already bewitched. Ce frère est même très courageux. This brother is very courageous. Quand c'est comme ça, on t'effraie. Sometimes when it's like that, you are frightened. Tu as envie d'aller dire que j'arrête. It's like you should go and say, I want to stop. S'il est resté ferme, if he stayed firm, il faut qu'on voit comment lui confier les choses spirituelles. Est-ce qu'il dirige une assemblée? Où est-il? We must see how to hand over an assembly to him. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Tu ne diriges pas une assemblée? Non, frère Angama, Dieu t'a donné un vaillant. Prends, donne, explique pourquoi.
Tu ne peux pas avoir un vaillant qui domine sur les avortements et le laisser comme ça. You cannot have a mighty man who dominates over bewitchment and you leave him just like that. S'il néglige la mort, je prends. Alléluia. Bon, c'est un couple qui vient de se donner. Je peux appeler couple parce qu'ils sont en deux. Ils viennent de se donner au Seigneur. À peine 3 mois. Donc, ils n'ont pas encore confié la responsabilité. Tu es encore en train de travailler. Oui, avec eux. Non, ça, c'est bon. Je te connais. You're still working to make them donc, strong. Tu es dans de bonnes mains. You are in good hands. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. Let us stand, please. Nous tendons vers la fin. We are drawing towards the end. Nous allons faire deux choses ce soir. We are going to do two things this evening. Tu prends tes requêtes. You take your requests. Et on intercède. And we intercede. Après cela, after that, même combat d'hier, the warfare of yesterday, orienté vers toute force qui veut résister. The same warfare of yesterday directed towards every power that wants to resist. Vous verrez le résultat. And you'll see the results. Jésus nous a donné le pouvoir. Jesus has given us the power. Un jour on priait, le Seigneur me réveille qu'il faut prier que les eaux se dessèchent. One day we're praying and God revealed to me that I should pray that the water should dry up. Et dans les témoignages, vous entendez les frères disent que l'eau a tari. And in the testimonies you see brethren testifying that the water was still. Parce que si c'est l'esprit des eaux, because if it's the spirit of the waters, quand tu enlèves l'eau, c'est fini. When you take away the water, it's finished for them. Dieu est puissant, frère. God is powerful. Si c'est un esprit qui se cache sous les montagnes, if it's a spirit that is hiding on mountains, dès que la montagne est déracinée, sa force est finie. As soon as the mountain is uprooted, his power is ended. Mais le premier sujet, but the first topic, quand tu es devant Dieu, when you stand before God, que tu réussis à lui présenter ton problème, and you succeed to present your problem to him, c'est une grande bataille. That is a great battle. Parce que quand il veut t'exaucer, because when he wants to answer you, s'il y a un démon en route, if there's a demon on the way, il écrase. He crushes him. Donc c'est en même, c'est-à-dire que la supplication est en même temps une prière contre le diable. So supplication is at the same time prayer directed against the devil. Vous allez voir, certains démons vont même fuir pendant que tu présentes tes besoins à Dieu. You are going to see some demons will even go away while you are presenting your needs to God. La sœur Antoinette était délivrée quand elle présentait ses besoins à Dieu. Sister Antoinette was delivered when she was presenting her needs to God. Dans la salle, pas en songe, deux anges sont descendus. In the hall, not in a dream, two angels came down. Ils ont ouvert sa poitrine, un vieux est sorti, un homme est sorti. And they opened her chest, and a man, an old man, came out. Chauve, nu, les yeux rouges, noirs. Bald, naked. Environ 80 ans. Red eyes, dark, of about 80 years. Elle a vu. She saw it. Le lendemain, sa prospérité a commencé jusqu'à ce jour. The next day, her prosperity kicked off until today. Ce ne sont pas des fables. These are not fables. Ce ne sont pas des mythes. They are not myths. Ce sont des choses que Dieu nous a fait voir. These are things that God has made us to see. Qui peuvent augmenter notre foi. Which can increase our faith. En fait, qui doivent augmenter notre foi. In fact, which must increase our faith. Les autres peuvent douter. Others can doubt. Dis-leur merci. Tell them thank you. Mais crois. But believe. Tu verras la gloire de Dieu. And you will see the glory of God.
Présente à Dieu avec humilité. Present them to God with humility. Présente avec assurance. Present them with assurance. Présente avec un cœur sincère. Present them with a sincere heart. La parole nous recommande dans Hébreux chapitre 4 verset 14 à 16. As the word tells us, recommends to us in Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Ou Hébreux 10 verset 22. Or Hebrews chapter 10 verse 22. Prions ensemble. Let's pray together. Pour ceux qui sont là pour la première fois. For those who are here for the first time. Au début de la croisade. At the beginning of the crusade. Nous avons demandé à chacun de présenter à Dieu 10 demandes, 10 besoins, 10 sujets. At the beginning of the crusade, we asked brethren to present to God 10 requests, 10 topics. Des choses cruciales. Crucial things. Qui doivent se produire dans leur vie. Which must happen in their lives. Des choses concernant tous les domaines de ta vie. Things that concern every domain of your life. Ça peut être ta santé. It could be your health. Ta situation économique, financière. Your economic and financial situation. Ça peut être ta situation matrimoniale. It could be your marital situation. Ça peut être ta situation scolaire ou académique. It could be your academic situation. Ça peut être ton ministère spirituel. It could be your spiritual ministry. Parle à Dieu. Speak to God. Dis-lui qu'il est ton père. Tell him that he is your father. Mais je te rassure. But I assure you. Si tu n'as pas accepté Jésus. If you have not accepted Jesus. Tu peux t'asseoir. You can sit down. Ta prière n'est pas bien. Your prayer is not good. Si pendant qu'on appelait les gens, if while we're calling people up, tu as volontairement refusé de venir donner ta vie à Jésus, you voluntarily refused to come and give your life to Jesus, et maintenant tu commences à crier à Dieu, and now you begin to cry out to God, tu ne devrais pas ouvrir la bouche. You don't need to open your mouth. La parole de Dieu dit, the word of God says, si quelqu'un détourne son oreille et refuse d'écouter la loi, if someone turns away and refuses to listen to the law, sa prière est une abomination. Even his prayer is an abomination. Si tu refuses de donner ta vie à Jésus, if you refuse to give your life to Jesus, ta prière, your prayer, est une abomination. It's an abomination. Ta prière, your prayer, ne sera pas agréée. Will not be answered. Parce que tu fais la ruse. Because you are being cunning. Go Rabakashava. Say, so, oh Father, answer us. Oh Père, raison-nous. Oh Father, answer us. Father, answer us. Oh Père, raison-nous. Oh Father, answer us. Dis, oh Père. Say, so, oh Father. Donne-nous tes victoires. Give us your victories. Give us your victories. Donne-nous tes victoires. Give us your victories. Entre dans nos batailles. Get into our battles. Entre dans nos batailles. Get into our battles. Combat du ciel. Fight from heaven. Oh Seigneur. Oh Lord. Laisse tomber des pierres. Makes stones to fall down, l'ennemi, to cross the enemy, comme tu l'as fait à Israël au temps de Samuel, as you did to Israel in the time Seigneur, of Samuel. Oh Seigneur, oh Father, oh Lord, continue à prier. Thank you.
Prions en langue. Commence à prier en langue. Let's pray in tongues. Écoutez. Listen, please. Écoutez. Listen. Qui n'a pas encore reçu le parler en langue? Who has not yet received? Levez les mains. The gift of speaking in tongues. Raise your hand, please. Levez les mains. Raise your hand. Vous pensez que le parler en langue a été donné pour qui? Who do you think that the speaking in tongues was given to? Pour les anges ou bien pour les hommes? To angels or to men? Pour les païens ou bien pour les croyants? For unbelievers or for believers? Tu es croyant ou tu n'es pas croyant? Are you a believer or an unbeliever? Quand j'ai dit que chacun prie en langue, toi tu priais dans quelle langue? When I asked that people should qui pray peut me in tongues, dire la langue qu'il a utilisée? In which tongue were you praying? Toi tu as utilisé quelle langue? Là, hein? Le français. Non, pas parle que les gens entendent. J'ai utilisé le français. Non, non. Il est même encore bon de te taire même. Parce que le français n'est pas le parler en langue. It's even good to keep quiet because speaking in French is not speaking in Mais tongues. Vous devez croire. But you must believe. Vous devez croire que you vous must êtes un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. That you are a child of God. Alors, tenez-vous debout, vous levez les mains, vous allez parler en langue ce soir. Stand up and raise your hands. You're going to pray in tongues this evening. Say amen. J'ai dit, dites amen. Say amen. Dis Seigneur, je crois au Saint-Esprit. Say Lord, I believe in the Holy Spirit. Je crois à Dieu le Père, je crois à Dieu le Fils, je crois à Dieu le Saint-Esprit. I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in God the Holy Spirit. Dis au Père. Say, oh Father. Je te dis merci. I say thank you. Pour la promesse du Saint-Esprit. For the promise of the Holy Spirit. Et tous ces dons spirituels. And all his spiritual gifts. Vous savez, les visions que les gens ont là, c'est le Saint-Esprit. You see, those visions that people have come from the Holy Spirit. Il a dit, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. The word says, your young men will see visions and your old men will dream dreams. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ce sont des réalités. These are realities. Si tu doutes, tu perds. Parce que Jésus continue. Donc tu restes dans le doute. If you doubt, you are a loser because Jesus is moving on. Et ceux qui croient avancent. And those who believe move on with him. Le doute, doubt, peut t'appauvrir. Can impoverish you. Tout ce que nous demandons là, all that we are asking, c'est par la foi. Is by faith. Si tu doutes, if you doubt. Sur la réalité du Saint-Esprit, est-ce que c'est pour renverser la forteresse que tu vas croire? On the reality of the Holy Spirit, is it to overthrow a stronghold that you'll be able? Quand le Saint-Esprit descend dans un homme, when the Holy Spirit comes upon a man, il vivifie l'esprit de l'homme. He enlivens the man, the il donne the man's la capacité spirit, de prêcher. And he gives him the capacity to preach. La capacité de prier. The capacity to pray. La capacité de parler en langue. The capacity to speak in tongues. La capacité de voir, d'avoir des visions. The capacity to have visions. La capacité d'interpréter. The capacity to interpret. Et toi tu es là, tu doutes. And you are there doubting. La Bible dit quand Jésus s'est présenté à ses disciples. The Bible says when Jesus presented himself to his disciples. Après sa résurrection. After his resurrection. La parole dit. The word says. Quelques-uns eurent des doutes. That some doubted. Devant Jésus de Nazareth. Before Jesus of Nazareth. Il y a des gens qui ont douté. People, some people doubted. Donc le doute est un péché, un phénomène. So doubting is a sin and it's a phenomenon. Tu peux vieillir. Croyant mais dans le doute. You can get old as a believer, but tu n'es pas en stage. Tu n'es pas en train de te préparer pour servir Dieu. You are not tu es déjà en train de le faire. You are not preparing to serve God. You are already doing it. Mais tu gaspilles tout ça dans le doute. But you are wasting all of that in doubt. Tu n'as même pas soif de prier dans d'autres langues. You don't even yearn to pray in other tongues.
Tu ne sais pas qu'en priant dans d'autres langues, ça donne une puissance à ta prière. You don't know that praying in other tongues gives power to your prayer. Il y a des sujets de prière que je reçois quand je parle en langue. There are prayer topics that I receive when I pray in tongues. Pendant qu'on prie en langue, while we are praying in tongues, je me donne l'interprétation. God gives me interpretation. Et je donne ça comme un sujet. And then I give it as a prayer topic. Toi tu es là, on dit parle en langue, je... oh Dieu. You are there when they say speak in tongues and they say, oh, I, oh, voilà ta langue, hein? Oh Dieu, oh Dieu. Oh God, oh God, that's your tongues. Dis Père, say Father, je me repens, I repent, de l'incrédulité, of unbelief. Je veux être plus sage que toi. I wanted to be wiser than you. Je ne veux pas que ma bouche dise des choses que je ne comprends pas. I don't want my tongue to say things that I don't understand. Alors que toi, whereas you, tu ordonnes, you command, que je parle en langue, that I speak in tongues. La parole de Dieu dit, the word of God says, dans le psaume 81. In Psalm 81. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. For the Lord to fill it. Tu as la responsabilité d'exprimer, de parler ce que Dieu te met dans la bouche. You have the responsibility to speak out and express what God puts in your mouth. On ne doit pas tromper quelqu'un. You should not. No one should be deceived. On ne va pas te dire da 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 da. You should not be told to say da 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 da. Une sœur me disait qu'ils sont allés quelque part. Quelqu'un leur a dit parle bête, parle bête, parle bête. Donc quand elle a commencé, elle commence. The sister said they went somewhere. C'est la souffrance. And they told them to speak bête. The sister speaking in Hebrew. Jésus est réel. Jesus is real. Le don existe. The gift exists. Je fus baptisé dans le Saint-Esprit dans ma chambre. Personne ne m'avait posé les mains. I got baptized in the Holy Spirit in my room. No one laid hands on me. C'est pour ça que je n'aime pas toucher les gens. That's why I don't like touching people. Ce jour-là, qui m'avait touché? On that day, who touched me? Pam, je parlais en langue. Pam, I spoke in tongues. Après, j'ai dit non, non, je ne veux pas parler. Then if I said well, no, I don't. Ah, non, je commence à parler. J'ai dit non. C'est fini, c'est fini. Then I started speaking and I said, oh no, it's over, it's après, over. Then bam, dit, cette affaire est réelle. Then I said, oh, this thing is real. J'ai gardé mon parler en langue. Then I kept my tongues. Pourquoi tu doutes? Why do you doubt? Tu t'affaiblis pour rien. You are weakening yourself for nothing. Lève tes mains. Raise your hands. Dis Seigneur. Say Lord. Je reçois mon parler en langue. I receive my capacity to speak in tongues. Je crois que tu m'as donné le Saint-Esprit. I believe that you've given me the Holy Spirit. Et je crois que tu m'as donné des dons. And I believe that you have given me gifts. Et je sais que parmi ces dons, and I know that among those gifts, il y a le parler en langue. There is speaking in tongues. Ta parole dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. The word says that he who speaks in tongues edifies himself. Je veux parler de nouvelles langues. I want to speak in new tongues. Maintenant, now, parle au nom de Jésus-Christ. Speak in the name of Jesus. Prions ensemble. Let's pray together. Reçois et parle. Receive and speak. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que ta chair. Let your flesh. Ne t'étouffe point. Not choke you anymore. Que ta chair. Let your flesh. Ne t'étouffe point. Not choke you anymore. Reçois tes langues. Receive your tongues. Et parle et prie. And speak and pray. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Le don est gratuit. A gift is free. Le don est pour toi. A gift is for you. Pour tous les enfants de Dieu. For all children of God. Tous les enfants de Dieu. For all children of God. Tous ceux qui ont l'esprit de Jésus. All those who have the spirit of Jesus. Prie, parle, prie, parle, prie, parle. Pray, speak, pray, speak, pray, speak. Si tu fermes la bouche, you close your mouth. Tu as déjà raté. You have already lost. Parce qu'il est écrit. Because it's written. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. Let the Lord fill it. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. Let the Lord fill it. Oh, rakabaka sheregal tarama seba, goriaba. Prie maintenant.
Pray now. En pensant à tes sujets de prière. Thinking of your prayer topics. Pendant que tu parles en langue. While you speak in tongues. Tu penses à tes sujets de prière. You think of your prayer topics. Pendant que tu parles en langue. While you speak in tongues. Tu penses à tes sujets de prière. You think of your prayer topics. Tu penses à tes sujets de prière. Think of your prayer topics. Parle, parle et prie. Speak and pray, speak and pray. Kasoro bakara 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 mazinai. Gole keta reba keta reba keta. Keria basa, keria balanta ya masana, keria seku maseke, koria bakase bara kasema, koria bakase karama seba, koria bakase karama seba na, koria bakase karama seba na, koria kala basege, koria bakala masama na, koria dal basa karama seka. Dear Père, oh Father, combat pour nous dans les lieux célestes. Fight for us in the heavenly places. Combat pour nous dans les abîmes. Fight for us in the abyss. Combat pour nous dans le séjour des morts. Fight for us in Hades. Combat pour nous dans les eaux. Fight for us in the waters. Combat pour nous dans les endroits plus bas que les eaux. Fight for us in places under the waters. Combat pour nous dans les montagnes. Fight for us on mountains. Déracine les montagnes, déracine les montagnes. Uproot the mountains, uproot the mountains. Fais voler les collines, fais voler les collines. Make the hills to come down. Combat pour nous dans les lieux arides. Fight for them in combat dry lands. Dans les lieux arides. Fight for us in dry lands. Combat pour nous dans les forêts sacrées. Fight for us in sacred forests. Combat pour nous dans les eaux. Fight for us, fight for dans us dans les océans. In the oceans. Combat dans les fleuves, les rivières, les marégots, les marécages. Fight for us in seas, in combat streams. Combat pour nous. In swamps, fight for us. Combat contre les reptiles. Fight against reptiles. Combat contre les monstres. Fight against monsters. Combat contre toute puissance qui existe quelque part. Fight against every power that exists anywhere. Toute puissance qui existe quelque part. Every power that exists anywhere. Contre ton peuple, contre ton peuple. Against your people, against your people. Oh, combat pour le contre du plus petit. Oh, fight for the most small. Combat pour délivrer l'adolescent. Fight to deliver the adolescents. Combat pour délivrer les adultes, les vieillards. Fight to deliver the adults and the elderly. Combat. Oh, Father, fight. Father, reverse tout. Overthrow all. Anéanti. Bring to naught. Écrase. Crush. Expose à la honte. Expose to shame. Expose à l'ignominie. Expose to disgrace. Ceux qui souhaitaient notre ignominie. All those who hope for our disgrace. Agis avec puissance. Act with power. Comme tu l'as promis toi-même. As you promised yourself. Oh Père. Oh Father. Oh Père. Oh Father. Comme continue à prier en langue. Let's continue to pray in tongues. Karabaka karabaka sabaka. Karabaka sarabaka labaka sakabaka. Karabaka sakabaraka sabaka. Karabaka sakabaka raka sakabaka. Karabaka sakabaka. Karabaka sakabaka sabaka. Lève ta main droite. Raise your right hand please. Dis Père. Say Father. Tu connais l'orgueil des hommes. You know the pride of man. Tu connais la méchanceté de l'homme. You know the wickedness of man. Dis Père. Say Father. Il y a des êtres humains. There are human beings. Qui se sont tenus sur le chemin des enfants de ton peuple. Who have stood on the way of the children of your people. Qui disent. Who say. Que tant qu'ils sont là. That as long as they are there, nous ne posséderons rien de ce que tu nous as donné. We'll possess nothing of that which you've given us. Qui disent que tant qu'ils sont là, who say as long as they are there, nous ne serons rien. We'll be nothing. Certains doivent signer les dossiers des enfants de Dieu. Some must sign files of children of God. Et ils ont dit qu'ils ne vont pas les signer. And they've said that they will not sign them. Certains doivent rembourser l'argent. Some must reimburse money. Ils disent qu'ils ne le feront point. They say that they will never do it. Qu'ils ont arraché, ils sont forts. That they have snatched it and that they are strong. Oh Père. Oh Father. Lève-toi contre cet orgueil. Rise up against that pride. Écrase cet orgueil. And crush that pride. Délivre ton peuple de leurs mains. Deliver your people from their hands. Oh Père. Impose your will. Deliver ton peuple. Deliver your people.
volonté humaine. From the human will. C'est ta volonté qui est parfaite. It's your will that is perfect. Personne. Let no one. Ne se tienne sur le chemin des enfants de ton peuple. Stand on the way of the children of your people. Le peuple que tu as délivré. The people that you've delivered. Par le prix de son sang précieux. By the cost of your precious blood. Oh Père. Oh Father. Qu'ils ne soient plus jamais captifs. May they never be. May they never be captives. Plus jamais captifs. Plus jamais captifs. May they no longer be captives. Qu'une telle méchanceté soit écrasée. May every such wickedness be crushed. Enlève ces hommes de notre chemin. Take away this man from our way. Enlève-les de notre chemin. Take this man from our way. Enlève-les de notre chemin. Take them off our way. Enlève à leur poste ceux qui utilisent ces postes pour la méchanceté. Take off from post those who use their positions. Enlève-les. Take them off. Et place les justes. And place righteous men. Ils vont servir les nations. To serve the nations. Avec des cœurs bons. With good hearts. Avec science. With knowledge. Et avec sagesse. And with wisdom. Père, agis maintenant. Oh Lord, act now. Père, agis maintenant. Oh Lord, act now. Père, agis maintenant. Oh Lord, act now. Oh Père, agis maintenant. Oh Lord, act now. Continue à prier. Continue to pray. Urabakasa bakasu karabakasa karu karabakase deke betere kurazhan yeneza maikasolo. Berte Sakari Daban, Kalamasode Kibisekana, Yelta Yelta Yabasaneka, Uriabakala Masede Ribaka, Uriabakasedeke, Benderi Kabrahaba, Konderida Albasana, Kamarebake Basse, Ridivala Makasabara, Uriabakasede Kaltaramasana, Jipper, the Father, délivre les sœurs. Deliver sisters. Qui souffrent. Who are suffering. À cause de la méchanceté des prostituées. Because of the wickedness of prostitutes. Dans les vies de leurs maris. In the lives of their husbands. Père. Father. Délivre les hommes qui souffrent. Deliver men who are suffering. À cause de la méchanceté des hommes. Because of the wickedness of men. La méchanceté des hommes prostitués. Because of the wickedness of prostitute men. Dans la vie de leurs épouses. In the lives of their wives. Continue à prier. Continue to pray. Ora bakashara bakala bakashara bakala bakashara. Ora bakashara gala bakashara. Ora bakashara gala bakashara. Ora bakashara baka. Ora bakashara baka. Ora bakashara baka. Ora bakashara bakala baka. Ora bakashara baka. Ora bakashara baka. Ora baka. Urabakasiri yata yamasana yamakunde yamakere yamakele basana luridal basiri kita ramasi uriabakala bakisana urabakala bakari yakasi uriabakala bakari kashiri urabakala bakashiri kal luridal basi. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit d'un parent, let every spirit of any relative, les parents morts, dead relatives, qui troublent une vie, that disturb lives, s'en aille maintenant même. Let them be gone right now. Tout esprit humain, every human spirit, tout esprit d'un parent mort, every spirit of dead parents, qui habite dans le corps d'un homme, which dwells in the body of any man. Va-t'en, sors, va-t'en. Out and depart. Sors vite. Out quickly. Sors. Out. Sors. Out. Esprit de mort. Spirit of death. Va-t'en vite. Depart quickly. Va. Go. Depart quickly in the name of Jesus Christ.
Gardez le calme. Please be quiet. Que tout ce qui était bloqué soit libéré. Let all that was blocked be released. Que tout ce qui était volé soit restitué, volé soit restitué. Let all that was stolen be given back, restituted. Que la gloire de Dieu se manifeste. And let the glory of God be manifest. Et toi qui ne voulais pas voir le bonheur. And you did not want to see goodness. Rempli de jalousie. Full of jealousy. Toi qui es un esprit humain vivant. You who are living human spirit. Caché dans les vies. Hidden in lives. Pour les ruiner. To ruin them. Si tu es un parent qui habite le corps de quelqu'un ici. If you are a parent or relative living in the body of anyone here. Ou qui est avec nous en prière quelque part. Or who is, or anyone pray with us somewhere. Nous brisons. We break the time. Va-t'en. Depart. Va-t'en vite. Depart quickly. Every human spirit, ou d'une femme, or the spirit of a man or woman, qui bloque une vie, which blocks a life, tu es jugé, you're just, sors, va-t'en, out and depart, sors, va-t'en, out and depart, tout esprit d'un homme, every spirit of a man, ou d'une femme, or a woman, qui trouble une vie, which troubles a life, va-t'en. Depart. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. Sors, va-t'en, sors, va-t'en. Out and depart. Sors, va-t'en. Go out, go out. And depart. Donc que si un être humain, si ce n'est pas un parent. Let's pray that if a human being, even if it's not a parent, si or relative. Il y a un démon qui suit quelqu'un. If there's a demon that is following someone, à cause des pratiques occultes d'un individu, because of someone's occultic practices, ayant utilisé son sang ou son nom, his name or his blood was used, que tel esprit soit jugé, that such a spirit should be judged, et qu'il s'en aille, and let it go away. Toi, démon, you demon. Qui est venu? Who came? À travers l'occultisme, l'envoûtement, through occultism and bewitchment and enchantments. Pratiqué sur le nom. Practiced on the name. Pratiqué sur le sang. Practiced on the blood. Va-t'en vite! Depart quickly. Sors, va-t'en. Bon. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous nous levons contre l'armée des ténèbres. We rise against the army of darkness.
contre les prières des saints pendant la nuit. Against the prayer of the saints at night. Il y a des démons qui se rassurent que tu as dormi toute la nuit. There are demons that ensure that you sleep the whole night. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Que tout esprit impur. That every unclean spirit. Existant dans la vie d'un frère. Existing in the life of a brother. Pour détruire sa vie de prière. To destroy his prayer life. Les prières de nuit. His night prayer life. Que tes esprits soient jugés. Let his prayer be judged. Quel que soit leur nombre. Whatever be their number. Jugés, dispersés. Judged and dispersed. Jugés, dispersés. Judged and dispersed. Sors, va-t'en. Out and depart. Nous brisons ton joug. We break your yoke. Nous libérons l'âme. We release the weapon. Libérons l'esprit. We release the soul. We release the spirit. Et nous libérons la vie de prière. And we release the life of prayer. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi, méchant esprit. You wicked spirit. De manque de pardon. Of lack of forgiveness. Nous te chassons. We cast you out. Va-t'en. Depart. Vite. Quickly. Gardez le calme. Please be quiet. À un certain niveau spirituel, at a certain spiritual level, quand tu chasses un démon, quand tu dis démon, sors. When you cast out a demon and say, demon, les go démons, out. Les démons concernés sont ceux qui habitent les gens. The demons concerned are those that dwell in people. Mais il y a des gens qui sont enfermés. But there are people who are shut up. Là, on ne dit plus sort. In that case, you no longer say, go out. On casse la prison. You break the prison. Il y a des l'enchantement, l'envoûtement, ce sont des techniques pour que ton âme soit en prison. Bewitchments are techniques for your soul to be in prison. Nous n'avons pas besoin d'apprendre comment ils font. We don't need to learn how they do it. Mais Dieu nous a révélé déjà. But God has already revealed it to us. Quand nous avons étudié le texte de Ézéchiel chapitre 13 verset 18 à 20. When we studied the passage of Ezekiel chapter 13 verse 18 to 20. Dieu dit que les gens fabriquent des amulettes. The Bible, God says that people fabricate amulets pour surprendre les âmes, to come upon people by surprise, pour faire en sorte que si quelqu'un veut mourir, on puisse échanger et une autre personne meurt à sa place, to make in such a way that when somebody wants to die, they change his soul and then someone else dies in their place. Il y a plusieurs types d'envoûtement.
Many kinds of bewitchments. La sœur nous a rendu témoignage. A sister testified. La sœur Hélène. Sister Hélène. Elle a envoûté la concubine de son frère. She bewitched her brother's concubine. Le marabout lui dit, va déféquer, tu creuses un trou, tu déféques, tu poses, tu fermes. The witch doctor told her, go and defecate and you dig a hole and put it inside. Conséquence. What is the consequence? La concubine a fui. The concubine left. Et son frère jusqu'à 50 ans. And her brother until 50 n'était pas marié. Was not married. C'est après la délivrance. It was after deliverance qu'il s'est marié. That he got married. Donc quand tu vas, on fait des scarifications sur toi. So when you go and they make scars on you, ce sont les envoûtements. Those are acts of bewitchment. Le marabout ne te dit pas la vérité. The witch doctor doesn't tell you the truth. Les chiens qui poursuivent les gens en songe, les bœufs, les animaux, dogs, les serpents, ils sont, ils viennent d'où? Where do they come from? Tu es là, tu ne vas pas chez les marabouts, mais tu vois les morts, les serpents toutes les nuits. Pourquoi? You are there, you don't go to the witch doctor, but you see dogs and snakes every night. Why? C'est là-bas que ton âme est en prison. That is where your soul has been imprisoned. Quelqu'un te dira. Someone will tell you. Un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté. A child of God cannot be bewitched. Ça, c'est manquer de sagesse. That is to lack wisdom. Quand Dieu dit que vous envoûtez mon peuple là, il ne dit pas vous envoûtez les païens. Les enfants d'Israël, c'était le peuple de Dieu. When God says you bewitch my people, he did not say you bewitch pagans or Gentiles. The children of Israel were God's people. Et l'autre réalité, c'est que and the other reality is that quand vous êtes envoûté, when you are bewitched, vous ne pouvez pas être ce que les vrais enfants de Dieu sont. You cannot be être. What true children of God have to be. C'est-à-dire les puissances des démons vont empêcher de grandir. The power of demons will stop you from growing. Donc, tu ne les effraies pas. You don't frighten them. Ils bloquent ta croissance. They block your growth. Ils ne peuvent être tourmentés que quand tu deviens fort en Christ. They can only be tormented when you become strong in Christ. Mais ils s'arrangent, but they make sure pour te freiner. To hinder you. Jésus dit que si quelqu'un ne lit pas l'homme fort, il ne peut pas dépouiller la maison. Jesus said that if someone does not bind a strong man, he cannot deliver the house. Donc, ces prières que nous faisons, so this prayer that we are carrying out renverse les princes sataniques qui voulaient dominer sur nous et nos familles, qui dominaient même. Overthrow satanic princes that dominated over us and over our families. Quand quelqu'un te dit qu'il a vu le serpent vomir les choses, puis le serpent a vomi quelqu'un, quand il regarde, c'est lui, c'est elle-même. When someone tells you, il vient d'être vomi par le serpent. That he saw the snake vomiting things and the snake vomited someone when she wanted to see it was herself. Et tu la vois, elle devient pleine de zèle. And then you see her, she becomes very zealous. Et nous voyons. And then we see it. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, quand nous allons frapper, so when we are going to strike, casse tout. Break everything. Vous verrez and you'll le see résultat. The results. Vous verrez le résultat. And you'll see the c'est results. À ce moment-là, quelqu'un se lève comme ça et dit, mais comment ça va? Il dit, je t'envoie un cadeau. It's at that time that you see someone just rises and says, oh, how are you? Let me send you a gift. Les gens donnaient des cadeaux à David, il est devenu riche. People gave gifts to David and he became very rich. Toi, tu n'as, on ne te donne rien. On demande seulement, donne-nous, personne, you pas give de cadeau, nothing, rien. And people only ask from you, give us, when it comes to gifts, you receive nothing. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle un don. You don't even know what a gift is all about. Si quelqu'un te donne quelque chose, if someone gives you something, le lendemain, tu dis, accompagne-moi au champ. The next day, he tells you, please, accompany me to the farm. Tu dis, ah, je comprends maintenant. And then you say, oh, I now understand. Tiens-toi debout. Rise up, please. Dis Seigneur. Say Lord. Merci pour les révélations sur l'envoûtement. Thank you for the revelations on bewitchment. Merci pour le pouvoir que Jésus nous a donné. Thank you for the power that Jesus has given us. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous brisons les prisons. We break the prisons. Nous brisons les portes des reins. We break the doors of bronze. We break the bars of iron.
Nous renversons tout dans le camp de l'ennemi. We overthrow all in enemy's camp. Aucun enfant de Dieu. No child of God. Ne restera enfermé. We remain closed up. Nous cassons les bouteilles. We break the bottles. Nous cassons les cercueils. We break the coffins. Une sœur dit que certains ont vu qu'eux-mêmes ils étaient dans le cercueil, mais une sœur a vu les documents dans le cercueil. C'est-à-dire, on n'a pas tué, mais on a pris tout ce qui est bien. On a mis dans le cercueil, on a enterré. Qu'est-ce qu'elle peut devenir? Some people say, Dieu honore Jésus. Say the name of Jesus. Nous brisons les cercueils. We break the coffins. Nous détruisons. We destroy. Nous enlevons tout ce qui a été caché dans ce cercueil. We take off everything that was hidden inside. Tout ce qui nous appartient. All that belongs to us. Et nous proclamons. And we proclaim. Que chacun entre en possession de ses biens. That everyone gets into possession of his goods. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et nous insistons. And we insist. Que tout soit brisé. That all be broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Brisé. Broken. Toute prison. Every prison. Toute cabane. Certains ne sont même pas enfermés dans les maisons solides. C'est les cabanes. People Dieu, nous cassons la cabane. We break the huts. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Que même si c'est un trou. Say if it's a hole. Sortons le frère de ce trou. We come out from that. We bring the brother out of the hole. Un autre a dit qu'il était sous un arbre. Another said that he was nous déracinons l'arbre. We have a We open nous the déplaçons tree. Le rocher. And we displace nous proclamons la liberté de we chacun. Proclaim freedom. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 In the name of Jesus of Nazareth. Pose les mains sur la tête. Lay your hands on your head. Dis Père. Say Father. Toute maladie. Every sickness. Qui vient de la volonté d'un homme. That comes from the will of a man. Qu'un homme a maudit. That a man has cursed. Ou bien il a pratiqué. Or he has practiced. Ou bien il a jeté sur la voie publique. Or he has thrown on the ou public il way. A mis dans la nourriture, j'ai mangé. Or he has put in food and I've eaten. Ou il a suspendu ça sur un arbre. Or he hung it on a tree. Ou sur le toit. Or on the roof. Toute pratique. Every practice. Qui a entraîné ce mal. That brought about his pain. Qui est dans le corps de mon frère. That is in the body of my brother. Que tout cela soit ruiné. That all of this be ruined. Et nous commandons. And we command. Que ce mal retourne où il est venu. That this pain should go back to where it came qu'il from. Qu'il retourne chez la personne qui l'a envoyé. Go back to the person who sent it. Qu'il quitte mon corps. Let it leave my body. Que tous les démons qui l'accompagnent. That all the demons that came along with it. Soient enchaînés. Be chained. Frappés. Stricken. Paralysés. Paralyzed. Je proclame la santé. I proclaim health. Je proclame la santé. I proclaim health. Pour moi et pour mes frères, pour moi et pour mes frères. For me and for my brethren, for me santé and my brethren. Santé totale, santé totale. Total health, total health. De la tête jusqu'à la plante des pieds. From the head to the sole santé of my feet. Santé totale, santé totale. Total health, total health. Santé totale, santé totale. Total health, total health. Urabakajor, continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Continue to pray in tongues. Urabaka, urabaka, urabashe, urabaka, urabaka. Yerebaka sende kere belte, urabaka, urabasana. Kalend kaya baseka, retal basene kumna baka. Uya kasende kani amana. Kariyamana kariyamala kasana kere baltara maseba itabuluri lori dalba sebe kaira buni lori dalba sere kaira buni lori dalba sere kaira buni lori dalba sere kaira buni uraba di maladie c'est sickness va t'en depart quel que soit ton nom whatever your name va va sort out depart quitte le corps leave bodies leave the body quitte mon corps leave my body leave my body maladie va t'en c'est sickness go away dis l'esprit de folie va t'en esprit de madness depart dis dépression va t'en depression depart que le psychisme soit guéri. Let psychism be healed. Que l'intelligence soit guérie. Let my intelligence be healed. Que la mémoire de chacun soit restaurée. Let the memory of each one be restored. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que tous ceux qui sont paralysés marchent. Let all those who are paralyzed walk. Que leurs nerfs soient guéris. Let your hands be healed. Que leurs nerfs soient guéris. Let your hands be healed. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Continue à prier. Continue to pray. Ora bakashara bakashara gala 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 bakashara Rabaka, que ceux qui ont les maux de tête chroniques soient guéris. Let us who have chronic headache be healed.
Que tous ceux qui ont l'épilepsie soient guéris. Que tous ceux épilepsie be healed. Guéris. Healed. Épilepsie, épilepsie. Épilepsie, épilepsie. Guéris. Healed. Toute femme. Every lady. Qui fait pipi au lit. Who pees on the bed. Comme l'opprobre jeté sur elle. As disgrace thrown upon her. Soit guéris. Healed. Soit guéri. Be healed. Que cette honte quitte sa vie. May this shame leave her life. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Que tout homme. Let every man. Marié. Married man. Qui est devenu impuissant. Who has become. Soit guéri. Be healed. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Si c'est un esprit. Nous frappons cet esprit. We strike us. Nous libérons la virilité. And we release this virilité. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Prions en langue. Kala bakashara gala bakashara. Let's pray in tongues. Ora bakashara gala bakashara gala. Ora bakasaba la kasaba gala. Ora bakasara bakashara baka. Ora bakashara gala gala kasara. Ora bakashara gala bakashara gala. Veuillez vous asseoir. Please be seated.